Je faisais la fête, d'autant plus que j'avais une relation d'amitié avec François Mitterrand. Et là, aujourd'hui, je ressens exactement la même chose, car lorsque nous avons lancé la campagne des primaires autour de François Hollande, et lorsque nous l'avons encouragé à être candidat il y a 5 ans, nous n'étions pas très nombreux. C'est une victoire extraordinaire, et bien sûr, je manifeste mon plaisir et ma joie. Mais c'est une victoire qui en appelle d'autres, en particulier législative. C'est un autre combat, notre campagne qui démarre. François Hollande a exposé pendant toute sa campagne un programme. Maintenant, c'est pas fini. Maintenant, on est sur la deuxième phase. Il faut continuer à rassembler les Français. Il faut absolument réaliser le programme qu'il a fait. Et pour cela, il faut avoir la plus grande unité de tout le peuple de gauche. Il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Et avec une majorité à l'Assemblée, une majorité au Sénat et le président de la République, nous n'avons pas le droit de décevoir le peuple. Il faut réussir. Voilà. C'est incontestablement un travail lourd avec un héritage extrêmement lourd. Donc tout ne sera pas facile, on ne rasera pas gratis, mais il faut se battre pour corriger les inégalités, ce qui est totalement intolérable dans notre pays, et bien sûr les injustices.